Voilà, bonjour, top et bonsoir, peuple congolais. Bino, beaucoup d'occasions, il y a quand même des tracks info, il y a toujours ça là. Alors, le track info, il y a, est basé sur Nouvelle Autoroute Koyoka, RT News. Et puis, je crois qu'il y a aussi un journal du Sénégal qui vient de relayer encore l'information. L'information fait état que l'Ouganda va accueillir plus de 2000 Afghans, le Taliban, dans son territoire. Alors, ça va être pour la première fois. Et vous ne pouvez pas oublier que le Rwanda voisin de Kagame avait aussi accueilli des réfugiés venant de la Libye, plusieurs nationalités confondues. Alors, voir maintenant Oyo sous Ouganda ou Tuko Bakisa, en tout cas, on a évité. On a évité comment les Congolais basaient qu'on analysait en haut. Mais avant la côte à la pointe, on a, je voulais d'abord parler du Kassai, parce que hier, je commençais à parler de ça. Qu'est-ce qui se passe au Kassai? Vous avez écouté que la rivière Chikapa, en tout cas, est comme rouge, maille est comme rouge. La population basaient qu'au Kima, basaient qu'au traversé. Voici la rivière Chikapa Ningekomi. Ma produit toxique, ils allaient qu'au sucre, na maï pesa ko buma bambisi. Alors, peuple congolais, c'est quand même quelque chose. Tal bambisi amine neboye. Ceux qui tozala ki na ba bateau de pêche bien, je crois que la population de Chikapa n'allait pas mourir de faim. Mais tal bambisi on y surtout ba vana na bango na si amai. Lelo oyo ndenge tozolo banabino ba uti ko kufa ba kufi kufi na bango kaka et population qui a osé de manger ces poissons ba misus pe ba kufi parce que c'était des produits toxiques. Alors on attendait l'intervention du président de la République ou des ministres de l'Intérieur ou oyo la ndela je sais pas environnement d'aller là-bas voir qu'est-ce qui se passe. Pour bâmer quelque chose, ma précaution, surtout que la population a relié bambi suana ensuite y anzala pas si mes anakata RDC. Alors la grande surprise année, le gouvernement central, c'est comme si c'est un problème et nango et les kanango et aussi la nango. Même le gouvernement provincial est incapable dans ses moyens de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour examiner la situation de ce coin. Bon, moi, je ne sais pas. Vous savez, Congo est trop compliqué. Hein? Des fois, on dit qu'on a donné l'autonomie à des provinces. Les provinces, aujourd'hui, Bazana va gouverneur, Monsieur Bazana va gouverneur, Monsieur Bazana va tebele va gouverneur, Bazana va dire. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi l'administration. Il y a un ministre de l'Intérieur, ministre de la justice, de l'intérieur, tout ça. Il y en a au Congo, il y en a dans les provinces, par exemple au Kassai là-bas, il y en a. Maintenant, la grande question, l'administration, côté Kouna, Baza est incapable parce que les moyens aussi, ils allaient limiter. Vous savez, au Congo, on a un problème. Le problème, c'est que même la façon dont l'administration en haut bâtit autonome dans la province, c'est ça là, c'est toujours géré par le gouvernement central. C'est toujours géré par le gouvernement central. Voilà le pourquoi vous verrez qu'il y a un gouverneur, il y a un problème. Au lieu que la province décide de l'avenir du gouverneur, au Romona, à chaque fois, le gouverneur est convoqué à Kinshasa, il est convoqué à Kinshasa. Prévenu, bon, moni, basoué, Kabila, Kanga, Bangona, Kin, Mouyège, Kanga, Yenakin, beaucoup de gouverneurs, Oyo, Félix Tshisekedi, Alongoli, Balongoli, Bangona, partir à Kinshasa. Parce que, dans notre façon dont ils ont fait leur constitution, donc ils ont remis tout le pouvoir au chef de l'État
tout le pouvoir dans la justice centrale, il y a Kinshasa. Donc, ça dit, c'est eux qui doivent décider de l'avenir même des provinces. C'est ça le problème qui est au Congo. Alors qu'on a payé Tovandi, alors chaque État, ils ont l'autonomie dans le mot, et chaque État, Bazaline a droit. Il ne s'allégale même pas le président Joe Biden, là où il est à Washington, de décider, par exemple, là où nous sommes, si le gouverneur a connu aucun État, aucun État. Ce n'est pas son problème. C'est la population de mon État. Ceux qui m'ont dit que le gouverneur a joué ça à la tête, ceux qui m'ont dit qu'il y a des problèmes avec la complicité avec les députés, s'ils décident que le gouverneur doit partir, il va partir. Mais au Congo, tout est centralisé par le gouvernement central. Alors, pour un dossier, et où l'on voit, et comme à la Cour suprême, il y a États-Unis, ils ont tapé belé. Dossier le mon état peut comme parce que avant on a bango mon bazar un système d'abord la cour suprême oh yo sur mon que non dossier qui n'a qui n'a cour oh yo ils en a qui faut dossier qui n'a qui n'a donc c'est dit ils peuvent examiner bango bal mon là au moment mais la Congo kuna tout est centralisé je vous assure tout est centralisé par le gouvernement central alors c'est impossible pour que ce gouverneur là agisse réellement avec beaucoup d'efficacité. C'est impossible. Même la police est gérée par le gouvernement central. Donc, nous sommes tous au monde que c'est eux-mêmes qui se rendent un peu la vie difficile. C'est eux-mêmes qui rendent encore le Congolais la vie difficile. Moi, le Congolais, va me travailler comme il faut. Et ça dit. Mawatro, mes frères et soeurs, n'a habité l'ONI, n'a pas le bas, côté voilà. Alors, n'a pas l'accès à moi, vidéo, à mon qui est beau, mais là. Qu'est-ce qui se passe sur la rivière Tchikapa et que le gouvernement central n'arrive pas à intervenir? Suivez la vidéo. Dit qu'à Yandegeria, comme le gouverneur ou bien pas honorable, Moudiba, Moutebaka Kongolo, Mou Junior, Moutebaka Kongolo, Abasumi, Moulupatapat, Bayerik Angalo, nous avons bambi le Boualoukai, Boualoubasum, Moulupatapat, et moi, Banouenze, nous avons bambi le Boualoukai. Bakash va bien de Bambula Hambiji, pour des ballons, Mabantu Baluma Babasabula, vraiment, population Waka Tekela, Duta Tabukol. Depuis 13h, je suis venu à Bobadjan, je suis venu à Bobadjan, en tout cas déjà 16h, 17h, je suis venu à Bougne, dans la population. Je suis venu à Bougne, je suis venu à Bougne, je suis venu à Bougne, je suis venu à Bougne. Il y a des gens qui sont en province, qui sont en président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des gens qui sont en Bicol. Il y a des voilà, Ndebo Tshukomona, Binomoko. Vidéo, Oyoana Bandeko Nangai, ya. Côté Kuna, Bazako Sala. Donc, c'est un peu compliqué, mes frères et soeurs. La vie de mes frères du Kassai, Bazako traversé, ma situation difficile, et le gouvernement central, Bazako Sala, de leur côté. Alors, deuxième point, je voulais parler de l'Ouganda qui vient d'accueillir, qui veut accueillir plus de 2000 réfugiés dans son territoire. Alors mes frères, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que vous savez que le Rwanda, à son temps, avait accueilli beaucoup de réfugiés, que nous ne savons pas les nombres, dans son territoire. Vous connaissez la densité, la superficie du Rwanda, et accueillir encore des réfugiés d'ailleurs, et même les Rwandais ont des problèmes, peuple congolais, parce que beaucoup de Rwandais, bazako se réfugier même na Congo, bazo ki ma Congo. Alors, par quel moyen, quel mécanisme le Rwanda a accueilli des réfugiés chez eux? Par quel moyen et par quelle possibilité?
Et aussi, ce sont des réfugiés au Rwanda, combien bah, immigrés. Mais bah, immigrés, on a Banda Bakota Uganda, ceux qui basalaranine, au Bakota plutôt Rwanda, ceux qui basalaranine, ceux qui peuvent basali réellement réinstaller, comme on dit ici, Kagame les a donné des maisons, n'en a peut-être évité. Vous savez, la communauté internationale, à tout les cas, pays, il y a Maghreb, peuple congolais, pour nabango, ceux qui Union européenne, abimisimbongo naé, na pays, pour naba refouler, bah réfugié, quel que soit l'endroit où vous kende, pas nabango salaire, pas, c'est pas leur problème, ce n'est pas leur problème, l'essentiel en est, bah tout on a bah dégagé, bisika au bango bah lingi bah dégagé. Donc, pour dire que quand il y a un problème comme ça qui arrive dans le pays, alors, pays n'y a surtout, il y a ma grève, tout ça, donc on va ben du moins là, dans l'Union européenne, et puis, il y a pays n'y a en Afrique. Au moins, il y a Mali, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a un bateau, est-ce que vous avez besoin de partir à l'arrêter? L'essentiel, les gens qui ont quitté la vie, ils ont dit, ah non, ils ont dit, ils ont débrouillé. Mais la plupart souvent les arabes intéressés pays mon Afrique tout et ça se passe comme ça et ce qui est trop compliqué trop grave maintenant ici Kagame avait reçu des réfugiés Baouti Libye Baouti Bambokawana bah réfugiés on a qu'est-ce que Kagame a fait de point d'interrogation. Kagame a fait deux points d'interrogation. Aujourd'hui, peuple congolais, nous apprenons avec moi, avec vous, que l'Ouganda aussi veut accueillir des réfugiés. L'Ouganda veut accueillir des réfugiés. Mais tandis que dans l'est de la RDC, vous ne pouvez pas ignorer que nous avons toujours des problèmes. Par exemple, au moment où je vous parle, on nous signale ici, peuple congolais, que hôpital, quel est cet hôpital? Qu'on nous signale ici, hôpital Moro Bazo signalé biso awa, ba rebelle, oyo toujours ba ben na kaya ba ADF nalou, ba yé, ba outi ko sala soki nini ba sali, attendez, je vais lire cela pour vous, qu'est-ce qu'ils ont fait, le rebelle là, de ADF nalou, ba outi ko tumba, hein, ils ont brûlé, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont brûlé, plusieurs du jamais vu voilà Batumbi hôpital moko oezali de référence o na tiré une photo ana alors ba kotukuna Batumbi yango ba rebelle wana ya o ba bengaka ADF Batumbi tumbi yango bakena bango comme si rien n'était alors ça c'est grave au moment où je vous parle na Ituri deux véhicules brûlés dans une nouvelle attaque des ADF à Irum. Na Iru Mukuna, ba rebel, ya ADF, ba koti, ba tumbi, deux véhicules. Et si je peux lire, confirmer encore, peuple congolais, tandis que l'obin a l'accès qui vient la vidéo, comment est-ce que ADF, plutôt FARDC, ba bande ko sa la propagande, na bango populisme, ya ba arme, ba zo bete dans les vitro, ba ADF wana ba roshi la. Deux gros véhicules ont été brûlés mardi 17 août 2021 par les combattants d'alliés démocratiques forces ADF dans la province de l'Ituri au nord Kivu, au nord-est de la République démocratique du Congo. La nouvelle attaque a été menée contre un convoi de véhicules au niveau de Bandisembe contre près de Ofari. Ofari plutôt, sur la route nationale numéro 4 dans la chefferie de Walese Wankutu. Territoire du Rum. Selon le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, Antenne du Rum, le conducteur et les passagers à bord des camions incendiés ont pris de l'arche dans la nature. Toutefois, Christophe Mouniandeu indique que des forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues pour repousser l'ennemi. Sur place, l'armée a échangé des tirs avec les assaillants. Mais ils ont intervenu, mais c'était déjà trop tard. Batouana, et si, bake na bango, bakimi kimi na bango. Entre-temps, babomi batu. Deuxième encore, ici, peuple congolais, que vous devez savoir, ce qui se passe toujours là-bas, on nous signale encore quoi? On nous signale ici
que le rebelle là, bah rebelle toujours il y a ADF, bah où t'es qui jusqu'au ça là sous maman l'événement. Maintenant l'événement s'est passé, une dizaine de femmes vient d'être égorgées, une dizaine de femmes vient d'être égorgée par le présumé ADEF cet après-midi aux environs de 11, de 13h30 dans le territoire de Beni, dans le village de Kanyama. L'ennemi préfère tuer la maman en laissant les enfants à côté pour regarder les sangs de leur mère couler. Maman, quelle cruauté, quelle violence, quelle violation de l'humanisme en flagrance dans ces pays. Les informations concordantes nous alertent que ce mouvement des bandits s'est dirigé vers le territoire de Rutshuru. La vigilance des citoyens impose un assaut patriotique de tous les compatriotes pour freiner cette hémorragie. La dynamique génération consciente des jeunes essaie de condamner ces actes ignobles. Mais ça se passe au Congo. Et le gouvernement Félix Tshisekedi, qui a promis que Azako éradiquer ADF Nalu, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? La population, Bazako Koufa tous les jours, et vous faites des campagnes inutiles, les Angantina. Ici, on a ces militaires de l'armée américaine qu'on nous dit que, outil déjà Koko, na soki na Murango, côté ni Bakoumikuna. Est-ce qu'ils vont-ils faire leur travail? Qu'est-ce qui va se passer avec ces nombres qui sont venus? C'est vrai qu'ils vont éradiquer les rebelles là des ADF Nalu. Comment ce combat là, Bandé Banda, ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans, on a toujours les mêmes problèmes dans l'Est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de leçon pour l'Est du pays avec tout ce qui se passe? La même étant Félix Tshisekedi qui a signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda, qui ont dit qu'ils vont faire leur base, leur tout pour aider Félix. Comment ces gens-là, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, n'arrivent pas à traquer des rebelles? Ah, vraiment, même la communauté internationale, l'ONU, les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, vraiment ce qui se passe au Congo. Il n'y a même pas l'intervention de la communauté internationale. La MONUSCO est là plus de 20 ans. La MONUSCO n'arrive pas à éradiquer ce phénomène. Vraiment, plus de 20 ans, les Congolais continuent de mourir. Et on ne sait pas pourquoi la communauté internationale s'était. C'est comme si c'est des animaux qui meurent là-bas au Congo. Vraiment, on n'a pas l'intervention. Tous les jours, nous avons des nouvelles qu'on décapite des femmes. Hein? On décapite des femmes, des enfants. Vraiment, quelle cruauté ce qui se passe au Congo. Mais où est l'ONU? C'est trop compliqué. Alors maintenant, peuple congolais, avec l'arrivée de ces gens-là, encore, ceux qui plus de 2000 qui Ouganda, vous pensez que ceux qui Ouganda, Zubango, parce que lui, là, l'Ouganda a la facilité à Yambaraba réfugié à chaque fois. Réfléchissez à long terme. Réfléchissez à long terme. Parce que la Bissibino ne bandeliawa. Oh, le Kagama Salana ba réfugié au Bauta Libito Ebiti. 2000 Afghans Nakatia Ouganda. Zambabikam. Et puis nature à Batouana. Bouébi Bango. Baza identifié. Baza Batoua Beta Mindou Kité. Baza Batou Bame Maraba Bombité. Bref, ma identité, batouana, bazotin dans la Congo, bazotin dans la Ouganda. Batouana, bah ouais, ah ouais, bonjour, mon intervention, ma force spéciale, les avocats qui t'a ma côté, kuna, oh, boy, peuple congolais, je vous assure. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs. J'ai pitié pour mon pays. Vous savez, quand la nouvelle, là, je lis ça depuis hier, ah, j'avais des larmes, j'avais l'amertume dans mon cœur. Je raisonnais l'avenir du pays, je raisonne l'avenir de l'Est du Congo. Je sais pas. Kabila, 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 tu vois, Joseph Kabila, ce que tu as fait au Congo. Tu vois ce que toi, tu nous as fait, Kabila. Tu es parti prendre quelqu'un, tu pensais que tu pouvais les contrôler, tu pouvais les gérer. Voilà ce que tu nous as amené, Joseph Kabila, au Congo. Voilà ce que toi, voilà la merde que tu nous as foutue. Le Congo, aujourd'hui, est tenté de partir. L'Est du Congo va disparaître.
Vous savez, tout ce qui s'est passé ici, là-bas, en Boko, les talibans, les Houthis, vous voyez bien? Ah, bah, tiens, boy, ah, bah, tiens, boy. Ah, on a Est au Congo déjà Félix Tshisekedi, on dit que Daesh a Zakona. Mais bon, tant que nous avons plus de 2000, nous avons des réfugiés. Quand c'est des bazo qui ont installé Daesh, on peut bien bien supporter. Bazo qui ont installé, supporter bien bien pour Boyoka, supporter Bilo, on a Koyoka, Kuna, Bilo, qui ont mis le bête à Manakota Est au Congo. Eh, Nganzambe, Mokanangai. Eh, Nganzambe, Félix. Félix. Non. Ils ont passé, hein. Ils n'ont pas sûrement attendu que tu aies information, mais tu sois analyste politique qui t'a dit ah, bon, on va ça, la nini. Bah, il y a un Congo, tu es en Ouganda. Ah, ah, un gars congolais. Faut avoir des yeux pour voir de loin. Faut avoir des yeux pour voir de loin. 2000, en Ouganda. Ah, vraiment. Dans beaucoup de temps, il y a un territoire, il y a un territoire. Pourquoi il y a un territoire, il y a un territoire. Pourquoi bango 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 yiko ya babango? Parce que na mboko soko ke na aéroport chaque jour au compte parce que le baka pona ba corona ndé diminuer ko ya ba réfugié na mboka o. Vous voyez combien de réfugiés ba kita na chaque aéroport na mboka o chaque jour. Combien d'immigrés ba kota mboko chaque jour. Bongo ka 2000 mboko to vandia ko le babango pona ko jo bango. Ah, nzambe na ngai. Est ya Congo. Ah, j'ai pitié pour mon pays. Hein. J'ai des larmes aux yeux quand je vois cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prions le bon Dieu pour le Congo. Parce que ce qui va arriver, tout ça, c'est la grande babate en bocal. Parce que Kabila, 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 ah, mon amour, Balioyo, tu as vu. Tu as vu, Kabila. Tu étais déjà partant. Laisse le pouvoir comme dans la paix. Fais la passation du pouvoir dans la paix. Laisse Fayoulou prendre le pouvoir. Non, moi je vais contrôler. Je vais faire mes tricks, mes tactiques. Je vais contrôler le pays. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où, Kabila? Aujourd'hui, on est où? Ah, Joseph Kabila. Vraiment. Vraiment. Ah, Zamba Pambola, yo, papa. Zamba Pambola, on a Olivier Lembe. Zamba Pambola, bino. Passation de pouvoir pacifique, Bosala qui yangoye. Bosala qui passation de pouvoir pacifique pour la Congo évoluer. Congo Kendeli Bosso, merci beaucoup. La passation de pouvoir, Rwanda Bosala qui pacifique. Tala Esté à Congo. Ah, Joseph Kabila. Ah, Tikata Chadari, Tikata Chadari, Tikata Chadari, Azalagane, Tikata Chadari, Azalagane, ta président, par Tikata Chadari. Aucun soupena mutu pena vous bino moko bosali ba recherche vous ebi que mutu a tangité a fali bino moko bo ebi que mutu a boye boye aujourd'hui e pena ucheka mutu a Congo poka ka yo mona yo gang ah Kabila zamba pambola yo Congo wana na ebite ba ancêtre na biso ka bala moka que les ancêtres se réveillent que les ancêtres du Congo se réveillent parce que l'avenir du Congo est tellement sombre, mes frères. C'est sombre. Ah, rien à dire, rien à dire. 2000 réfugiés afghans dans l'Ouganda. Eh! Pardon. Merci beaucoup, peuple congolais. Tout le monde a été informé très bientôt. Merci beaucoup. Analysez, hein. Vous comprenez ce que je vous dis. Oh, il y a un ami sur le monde. Bamona, au bazana nous corrévé, vous continuez à corrévé.